Et c'est parti pour 12 nouveaux kanji. On avait dit c'est la ville. Attends, ville no. Naka. À l'intérieur de la ville. On verra. Alors, premier. Ouais, plus. Oui. Après, ici. Tac, tac, petit. Pas trop grand. Hein, parce que, après, c'est. C'est tendu. Donc là, tac. Voilà. Ici, oula. Tac, tac. Voilà. Voilà, on va dire. Et les deux petits traits. Touk, touk. Ouais. À peu près ça. Pas le plus simple. Alors, c'est Joe. Joe et bas. Alors voyons voir. J'avoue que attends. Est-ce que c'est Jojo? Shai, Kai, Johnny, Ku. En fait, c'est aller. Donc, J'ai rencontré donc Kaijo. Kaijo. Attends, ça me dit un truc, Kaijo. C'est pas un directeur, je crois, Kaijo. Ça me dit. Je crois que c'est ça. Ah là là. Bon. Bah. Il faut trouver le signe. Place. Donc le kanji, ce serait place. Mais juste pour se voir vite fait, Kai. Ah non, Kaijo. Lieu ? C'est sûr ? Ok, ok. Attends. Shai. Shai, Kaijo, ni. Ok. Ouais. Après, si tu associes avec d'autres kanji, ce kanji là, c'est place, le cas, la scène. Donc oui. Donc celui-là, mettons place. Une place pas pour s'asseoir quoi. Une place plus dans ce sens-là. La place, je sais pas, de l'étoile à Paris. Par exemple, Trocadéro, des trucs comme ça. Shibuya, c'est une place, je crois, oui. Oui, devant le Dogo, là. Comment il s'appelle? Ah, j'oublie à chaque fois le nom du Dogo. Il y a la statue. Ah. Je ne sais plus. Alors, le prochain. Oh, beaucoup plus simple.
Voilà. Et c'est Kyo. Simplement. Attends. Tokyo ni Solo. Ouais, ça devrait être ce kanji là pour Tokyo. Et ça me dit quelque chose, il est vrai. Mais tout seul, ce kanji là, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça aussi qui est rigolo. Il faut, c'est un petit yo. Bon, après le Kyo classique, c'est aujourd'hui, il est évidemment, mais. Il est là. Ok, Kyoto. Pourquoi? Juste ce kanji. Mais si je mets justement To avant. Après, c'est ce serait pas déconnant. Attends, on est d'accord que maintenant c'est Tokyo. Oui, Tokyo c'est la capitale. Avant c'était Kyoto. Le nouveau Kyoto. Neoto. En vrai, ça serait pas déconnant. C'est assez drôle. Je vérifie le kanji juste avant, mais pour ça, faut que je le retrouve. Il est là. Ouais. Donc c'est bien, ouais, Tokyo. Je sais pas si on l'avait déjà fait. Bon, je vous le mets. Je sais plus si on l'avait déjà fait. C'est celui-là. Pas sûr que. Quoique. Vu que. Tac, 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 tac. Non, non, attends. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est le taux de Tokyo. Et celui juste au-dessus, ça me dit juste Tokyo, d'accord. Bon, enfin Kyoto. On va mettre Kyoto. Et ouais, le taux de tout seul, ça veut dire. Le kanji. On va vérifier parce que moi ça m'intrigue. Est. Ah oui, oui. Oui, donc on l'avait pas fait. En fait, Tokyo c'est Est de Kyoto. D'accord. Attends, est-ce que j'ai pas une map, petite map japonaise là Oh, moi la géographie en fait, le placement des trucs, j'avoue que c'est super. Je tape une map, un plan. Oui, c'est à l'est de Kyoto. Hein. C'est vrai. C'est pas déconnant en fait, c'est tout simple. C'est comme si t'appelais, je sais pas, Toulouse ou par exemple Lille, Nord Paris. C'est rigolo. Le suivant.
c'est celui-là. Alors. Comme d'hab, le petit. Voilà. Il me dit vaguement quelque chose. Oui, c'est un peu dévissé. Chi. Ichi. Alors. Shiakusho. Shiritsu no Toshokan. Alors celui-là, Ichi. Qui veut dire aussi premier, mais comme on sait. Ok, celui-là, ça veut dire ville. Peut-être plus en termes du général. Ville. Si on associe, ça peut être mairie, marché, municipalité. Donc, kanji de la ville. Le suivant. Le kanji du champ, évidemment. C'est lui en premier, après c'est lui. Tac, et là, plus long. Parfait. Li. Sato. Yamazato no Shizukana. À lui, je sais plus comment on prononce, mais village. D'accord. C'est un jeu. Attends. Shizukana. C'est. C'est simple. Ah, c'est un adjectif. Ah là là. J'en perds mon japonais. Ah, c'est facile, je crois. Shizukana. Enfin. Lui, c'est. Donc, Sato. Le Yamasato, donc Zato d'ailleurs. Là, Yama, c'est la montagne. N'oubliez pas, des fois, le premier, il peut se dériver dans les kanji. C'est pas forcément marqué, mais c'est possible. Ah, oh, ok, d'accord. Ouais. Ah, ça m'aide pas du tout, là. Parce que le kanji, il me dit Sato tout court. Donc ce sera peut-être un mystère. Mais après, si tu l'associes à d'autres, retour à la maison, parents adoptifs, enfants adoptifs. Donc si tu mets Sato Ko, je crois que ça se prononce comme ça. C'est enfant adoptif. Ouais, mais. Si je mets Yama juste avant, peut-être qu'on va découvrir que ça voudrait dire village de montagne. Ok. Ouh là là là. Après,
Vu qu'à côté on a eu ville juste avant, peut-être quelque chose comme village. Mais une bourgade, peut-être. Première fois, on va tester avec les autres kanji, les associations, par exemple, Senri au Hashiru. Senri. Donc. Voyons voir. D'ailleurs, scène de le kanji de 1000. Et pas de 10 000, attention. Ah, ma gorge. Ok, Senli. Avec les kanji, ça me dit. D'accord, attends. On va écrire toute la phrase, parce que là, c'est pas possible. 1000 000. C'est pas. Non. Ah, c'est pas courir ça? Ou marcher? Ah, chez nous. Où est-ce qu'il est? Oui, c'est courir. Courir, comment ça? Est-ce que ce serait pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup de, par exemple, d'expressions. Japonaises ou de trucs assez. Ouais, expressions et tout, dans justement dans les phrases qui sont japonaises. Voilà. Alors, me courir en 1000 000. Est-ce que ce serait pas un équivalent un peu en mode je sais pas, 1000 bornes ou un truc Parce qu'après, il y a même celui-là. On peut faire le troisième, c'est Sato Gokoro Gatsuku. Donc le kanji qui est là et le kanji du cœur, Kokoro. Mais qu'on là c'est prononcé Go Koro. Ah, faut qu'on découvre qu'est-ce qui voilà. Ça va sinon ça va me perturber. Encore faut-il qu'on me le filme? Et où le cocolo? On va mettre Kokoro, ce sera peut-être plus simple pour que ça comprenne. Faut jouer avec. Un jour, faudrait vraiment que je m'achète le. Tous les Japonais en ont un. C'est un petit boîtier électronique, je crois blanc, où tu. Si tu tapes un kanji ou les hiragana, ça te met directement qu'est-ce que comment tu dois l'écrire. Des trucs comme ça. Mais je crois qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi. Mais filme-moi le kanji du cœur. Au secours. Ouais, j'écris le truc le plus simple, Kokoro. Pourquoi tu me le files pas? Bon, c'est de la merde. Super. J'aime beaucoup. Incroyable. Ça restera un mystère. Donc là, vraiment demander.
Mystère et boule de gomme. Le suivant. Parce qu'on a pris trop de temps sur ce kanji là. Alors, donc celui-là, on a l'habitude de. Bah, on le voit plus. On l'a vu déjà deux autres fois. Et là, il y a kanji de. Du père. Alors, cool. Et Machi Walu Maji. Walu Maji Elu. Ma Jiru. Ma Zeru. Ma Zalu. Ok, il y en a beaucoup. Hein. Oh, je te déteste. Ah, Mazalo, celui-là, il y en a beaucoup, comme je disais. Et espérons que ça fasse pas comme l'autre et qu'on trouve qu'est-ce que ça veut dire. Voyons voir. Si je mets Mazalo. Il est là. Mazalu mélangé normalement. Et là, lui tout seul. Un rapport. Le rapport, après, on peut le mélanger pour. Enfin, l'associer. Pour donner circulation, échanger, intersection, poste de police. Après le poste de police, attends, c'est les petits de quartier ou pas que Yandif. Mais après si je mets G. Ouais. Ouh. C'est ouais, c'est se mélanger. Ce sera ouais plus mélangé. Rapport mélangé. Ok. Ok. Alors le suivant. Le sixième. Ah. Il y avait longtemps. Alors. Ouais. Après, il y a le petit qui est là. Ensuite, là. Ok. On est bon. Ok, pour lui, c'est fait. Et en fait, c'est celui-là. À chaque fois que je trouve ça. Ouais, on peut dire. Ah. Yes. Qui est. Et souvent, en réalité.
Alors lui, c'est Dou. Et Michi. Et oui, je ne sais pas pourquoi l'espèce de 3, on le fait en dernier. Alors, Michi. Ouais, sur en info, ça n'a rien à voir le. Ça ressemble pas à un 3 par contre. Ce serait la route. Outil, route, morale, et après on peut l'associer aussi pour dojo. Ouais. Route. Parfait. Et il en reste 6. Nouvelle page. Et on arrive à la moitié du bouquin. Et on a fait pas mal. Voilà, lui, beaucoup plus simple. Là, on l'a déjà vu. Enfin, le haut. Oui. Ouais. Ouais. Pas très satisfait. Et plus comme ça. Voilà. Cool. C'est tout. C'est toujours dans le même thème. Il est là. Public. Ah oui, Cohen. C'est le parc. Lui, on connaît. Ah bah, ça va être le kanji juste après. La sortie aussi. Le public. Public. Petit kanji. Fort sympathique. Donc le suivant, il est un peu. Il est. Essaye de faire un truc un poil grand quand même. Un peu hein et lui ah oui non pas tout à fait hein et là ça touche mais pas entre les deux et voilà tout ça pour N et tout il est pas forcément peut-être en plus grand en gros celui en dessous c'est lui qui touche, après là comme ça, lui, d'ailleurs en fait ça, dégage, merci. Voilà. Après t'as ce trait qui fait comme, qui part de là, qui fait plus comme ça, et lui, voilà. Vous voyez, ça touche pas, ici ça touche un peu. Donc un peu tendu. Alors, donc voilà, si on met le co N, premier puis deuxième, ça donne le parc. Mais, lui tout seul, c'est un jardin. Donc
Donc un jardin qui est public, un parc. Donc, oui. Si c'est vrai que jardin serait peut-être public aussi. Bon, enfin. Jardin. Le suivant. C'est fou le simple. Merci. Voilà. C'est simple, mais je me foire. Bien. Je me foire toujours. Oh, j'ai pépé. Mais ça, c'est la bouche là, qui me. Alors, die. Die. Et c'est bon. Oui, un peu. J'ai un peu bizarrement fait. Je dois l'avouer que. Pas mon meilleur. C'est une plateforme. Ok. Et avec celui-là, c'est le début de pour Taïwan. Une plateforme. On peut aussi un typhon, cuisine, chariot. Le suivant. Ah, il y a le kanji de Amé. Long. Il est assez aplati hein, en réalité. D'ailleurs, celui-là est beaucoup plus. Voilà. Et pas plus. Voilà. Et t'as celui-là. Ah, mais qui veut dire pluie. Pas mal. Den. Celui d'en dessous, c'était quoi déjà? Ah, on l'a déjà fait en association avec quelqu'un d'autre, mais. Est-ce que on peut le retrouver? Pas la pression. Alors, voyons voir. Électricité. Ah oui, le den. Den wa. Donc lui, électricité. Denki. Tiens, il y a le paradis. Non, c'est den. Attends, zut. C'est les. C'est pas ciel, c'est Aleki. Ah, on te connaît en plus pour Tenki, Genki. Le truc beaucoup trop stylé. Et où
C'est R. Ok. Qui R? C'est dans le premier bouquin. Ce qui voudra dire peut-être éclair. Ok. Mais celui-là, électricité. Okay. Après, Denois. Un téléphone. Oui, que ça marche pas, l'électricité. Téléphone fixe, plutôt. Ah non, pas électricité, qu'est-ce que je dis électrique. Enfin... C'est vrai que c'est un peu une petite différence. Voilà, électrique. Kanjia. Mais en vrai, ça a du sens parce que quand il pleut, il y a des éclairs, tout ça. Le suivant. Oui, tac. On l'a déjà vu associé à pas mal d'autres, lui. On le connaît. Plus petit quand même. Et moins proche. Voilà. Après lui, tac tac. Peut-être le refaire un peu mieux. Voilà. Et lui. G. T'es là. Je sais que t'es là, c'est temple. Oui, le perso de Final Fantasy VI s'appelle temple. Ça dépend des kanji, comme d'hab, hein, vous savez. Mais c'est toujours rigolo. Est-ce que c'est le kanji En réalité, ce serait pas étonnant, vu que c'est dans une ville, il y a beaucoup, il y en a pas mal, en réalité. Et c'est bien le kanji de temple. Ah là là. Quoi? Rapide, net, clair, efficace. C'est le dernier. Oula. Non. Peut-être pas autant. Oh là là, je crée mal. Ouais. Missé. Alors lui, Sopotsu Tende. Donc le sport, Tende, Kai, Mono, Osu. Oui, des fois en fait je l'ai dit et en fait il n'y a pas forcément de traduction parce que j'arrive plus ou moins à comprendre, voilà. Mais pour j'avoue, je suis en mode... Voilà.
Je sais pas, pour ceux qui sont peut-être le plus souvent habitués. C'est comme en anglais, des fois. Pour ceux qui. Voilà, c'est. Tu sais, mais après, comment tu. Traduis, des fois, t'es là, tu fais. En fait, tu comprends, mais. Oui, des fois, on a l'impression que je bug. Ce qui est des fois aussi le cas. Mais celui-là, Missé. Est-ce que ce serait le magasin? Ouais. Ah oui, non mais... Secours. C'est... Je te déteste en fait. Voilà, c'est peut-être mieux parce que... Oui, c'est le magasin. Après, ça peut être aussi emploi de bureau. Associé à un autre kanji, gérant de magasin. Hors côte. Ok, une boutique. Thème. Ah oui, mais. Ouais. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, petit tips hein, aussi. C'est comment dire quand comment dire attends, comment expliquer ça parce que c'est pas pour tous les magasins de ce que j'ai pu voir pour le moment parce que la plupart du temps justement ce qui était ce qui est assez pratique. Mais je crois que oui c'est magasin mais vu que là c'est par rapport à des katakana plus utiliser lui parce que par exemple pour une librairie c'est han ya donc livre et tu rajoutes le suffixe ya ça donne librairie et il y a beaucoup de magasins justement je crois que par exemple un fleuriste c'est hana fleur ya hana ya floriste. Ah. Voilà, il y en a beaucoup. Deux en mode magasin, tu rajoutes le suffixe, voilà. C'est pour ça. Mais ce kanji là, après c'est comment utiliser, voilà, ça c'est. Un peu, comment dire. Grammaire. Alors, petit récapitulatif. Donc, de droite à gauche, comme d'hab, la place Kyoto. Place Kyoto. Ville. Aucune idée. Il va falloir demander renseignement et donc celui-là on revérifiera comme tous les autres qu'on a pu faire avant. Une correction. Et ce sera plus tard. Celui-là. Rapport mélangé. Route. Public. J'ai réécrit public, alors c'est jardin. Jardin. Et en fait, j'ai écrit deux fois public. Pourquoi j'ai écrit public? Là, c'est jardin. Voilà. Lui, plateforme. Électrique. Temple. Magasin. On est bon. Alors, pour demain matin. Donc, il y aura... Ah oui, ce sera sur deux thèmes complètement différents, mais c'est pas grave.
C'est Nibe Mono. Tabe Mono, pardon. Tabe Mono. Ah, c'est... c'est pas le monde. Tabe... Oui, Tabe Mono, c'est la nourriture. Ouh. J'ai bugué. Ça va être tout ce qui va être nourriture. Parce que ça vient de Tabemas, manger, Tabe Mono. Donc c'est le remplacement de Tabelou. Mais en forme mono. Donc ça devient la nourriture. Donc voilà, ça t'auras 5 kanji sur la bouffe. Et l'autre, c'est Mono no Namae. C'est le nom, ça? Namae, c'est le nom. Mono. Le nom de quoi? Parce que c'est Mono no Namae. C'est... Et lui, j'avoue que... Voilà, Fune, Funa, Yumi... Ah, il y a Yumi, le perso de League of Legends. Katana... Ah, c'est... Ça, c'est la... Non, c'est pas la force. Yaki... C'est pas les objets? J'ai un doute. On verra ça demain de toute façon. Voilà. Donc il y a la nourriture et... On va laisser un peu de mystère.